السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Ben, je tiens tout d'abord à remercier mes amis, mes collègues pour leur part m'ont permis de continuer et de vous retrouver, de vous contacter et qui m'ont laissé la liberté nécessaire de l'accomplissement de la chaîne YouTube Tiras de Japon. Tout en gardant un œil critique et avisé, qui ont toujours montré de l'intérêt pour mes séances et répond à mes sollicitations. Je remercie encore vivement les abonnés, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs, pour leur encouragement, leur soutien. Je remercie de même, évidemment, toutes les bonnes volontés qui ont chacune à sa façon de contribuer au développement et à la continuation de la chaîne. Dans cette séance, on va entamer un sujet concernant l'OFPTT, c'est-à-dire l'Office de la promotion de la formation et de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi. En ce qui concerne le niveau qualification et surtout la filière de l'agent de restauration, donc cet agent de restauration, c'est un professionnel chargé de l'accueil des clients dans un restaurant, seul service ou non, ou un bar, ou tout autre, ou tout autre endroit similaire. Et cet agent de restauration, il est en mesure d'assurer le service et de réaliser les préparations dans de type de structure. Donc, cette filière, donc l'étude à cette filière nécessite une condition d'admission, que ce soit au niveau de l'âge qui ne va pas dépasser les limites de 30 ans, et un niveau scolaire minimum requis, c'est la troisième année de l'enseignement collégial au plus, et avoir des qualités et des aptitudes que le candidat doit posséder avec de bonnes capacités d'adaptation. Aussi, il doit y avoir un sens de responsabilité, une bonne sensibilité une bonne sensibilité gustative et avec tout ça, il doit remplir le dossier d'orientation. De plus, il doit réussir le test d'admission à ne pas oublier un entretien obligatoire. Ensuite, à l'issue de la formation, le lauréat sera en mesure d'exécuter les activités suivantes, par exemple, respecter les normes d'hygiène, de salubrité, de sécurité, entretenir les locaux, réceptionner les denrées, optimiser les surfaces, arrêter les denrées et préparer les produits et les matériels d'accompagnement de repas. Aussi distribuer les repas, cuisine, et distribuer en place côté cuisine, remettre les locaux en place côté salle, à noter que les débouchés professionnels peuvent être employés aussi dans les hôtels que dans les villages de vacances et les résidences de loisirs
dans les stations thermales ou encore dans les services de la clientèle. Reste à savoir la liste des établissements qui ouvrent cette filière. Tetouan, Smara, Sari, Husseima, Kaza, Khmouisset, Al-Modiq, Rabat, Qnedra et Dakhla. Je recommence en ce qui concerne la liste des établissements qui ouvrent cette filière sont et Tetouan, Smara, Sari, Husseima, Kaza, Khmouisset, Modiq, Rabat, Qnedra, Dakhla. La fin de citation. Je remercie encore une fois tous les bonnes volontés, mes amis, mes collègues, les abonnés actuels et les abonnés futurs. Et au revoir, à bientôt.